kobela yo likambo oyo kongwe linga kate osi opandi lisusu polo polo kanga kamotema kamokolo moko olingi kaka sebo mungo ya kongo oko kufa polo 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 tika 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 ako kabula kongo likambo oyo Soni ya barwande oko sambo a polo Polo, polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omo na bango pamba Oko simba touche Avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Bayweaver RDC. Ça y est, Bayweaver est en RDC. Congolaises et Congolaises, voici désormais votre partenaire industriel qui vous apporte des projets dans l'énergie solaire renouvelable pour la protection et la préservation de l'environnement via une plateforme d'investissement en ligne à travers votre téléphone portable sur l'étendue de la RDC. Pour vous qui avez besoin de réduire votre dépendance financière, Bayweaver est votre partenaire fiable qui organise des campagnes de financement participatif à travers une plateforme dédiée pour participer activement au projet des parcs éoliens en RDC. Créez votre compte et placez votre épargne dans nos projets. Faites un dépôt sur l'application Bayweaver pour obtenir un gain allant jusqu'à 10% des taux d'intérêt par jour. Le gain de revenu est quotidien. Le retrait, aussi simple, rapide et facile. À la date de l'échéance, votre montant investi vous sera restitué selon la durée choisie. La plateforme d'énergie nouvelle leader mondiale de Bayweaver s'engage à améliorer les développements économiques et énergétiques en RDC. Pour plus d'informations sur les modalités d'investissement, veuillez nous contacter au 843 89 73 800 07. Bayweaver, Think Energy. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale de tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci
d'être avec nous aujourd'hui. Bon lundi à tout le monde et surtout bon début du mois de juillet à vous tous qui aimez bien suivre vos informations sur HK Today Télévision. Nous sommes là aujourd'hui, 3 juillet 2023. Nous avançons lentement et sûrement vers la fin de l'année. Alors, ce n'est pas encore la fin, nous avons encore 6 mois, une année tout à fait spéciale puisque une année électorale, 6 mois des élections, du processus électoral. On a déjà commencé puisque la CENI est en train de recevoir des dossiers pour les candidats au niveau national, au niveau présidentiel, c'est en septembre, provincial, national, territorial. Et je pense, oui, au niveau territorial aussi. Alors, je vous aime bien. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance aujourd'hui. Bienvenue à vous tous qui êtes nouveaux sur cette chaîne. Et puis, comme vous êtes là, je vous demande de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. OK, s'abonner, cloche de notification, mais aussi en allant plus loin comme partenaire de cette chaîne, en cliquant sur « Rejoindre ». Vous allez rejoindre la famille HK Today. Merci beaucoup. Chers amis, merci à tous pour vos réactions tous les week-ends sur des émissions passées. Je suis content. Et aujourd'hui, nous vous avons amené encore un sujet très important. Nous allons, d'ailleurs, vous l'avez suivi sur notre chaîne, la sortie médiatique de Mme Eve Bazaïba. Et cette question continue à susciter des inquiétudes, des déceptions, tant au sein de la classe politique congolaise qu'au niveau de la société civile tout entière. Nous avons pensé aujourd'hui aller plus loin pour voir est-ce que Mme Eve Bazaïba s'est tirée une balle dans la tête, comme l'a si bien évoqué un grand journal, qui s'appelle d'ailleurs Grand Journal. Nous allons parler de ça. Et nous allons également parler de cette question de l'Église catholique avec la position affichée de l'Église catholique. Nous allons évoquer ça puisque ce sont les troisième sujet de la semaine qui a marqué les week-ends. C'est la déclaration des opposants qui ont visité Denis Kadima. Et à leur retour, ils ont fait une déclaration en disant qu'ils ne partiront pas, qu'ils n'iront pas aux élections dans l'état actuel. On doit changer la loi électorale, on doit changer la Cour constitutionnelle et pourquoi pas l'équipe de la CENI. Il y a beaucoup de choses qui se sont organisées, racontées autour de cette déclaration. Nous allons essayer d'en parler avec de nouveaux détails. Je vous invite à suivre cette émission qui va sûrement vous informer et vous apporter beaucoup de lumière sur toutes ces questions. Et je vous souhaite une très, très bonne émission. Alors, quand j'ai dit « nous », c'est-à-dire que je ne suis pas seul, je suis dans cette émission avec un journaliste collègue que vous avez toujours réclamé, avec qui nous allons faire cette émission, nous allons co-animer cette émission aujourd'hui. Il s'appelle Eric Mwamba, journaliste d'investigation, qui est avec nous. Eric Mwamba, bonjour, bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Bonjour HK et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et qui sont en même temps nos partenaires, hein, puisque sans eux, cette émission n'aura pas de sens. Exactement. Depuis l'Australie, merci beaucoup d'être avec nous. Eric Mwamba, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation. Je rappelle que vous êtes éditeur général de ce grand journal, de ce grand magazine qu'on appelle « Grand Journal ». Un journal essentiellement basé sur un journal d'investigation et basé en Australie. Alors, nous revenons aujourd'hui avec ce sujet pour éclairer nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent même à la radio. Il y a des radios partenaires qui nous suivent. Alors, pour un peu éclairer la situation en RDC. Nous commençons cette situation, cette émission avec les sujets sur Madame Eve Bazaïba, aujourd'hui ministre d'État en charge de l'environnement. Et vous avez travaillé longtemps sur cette dame et votre dernier article et la question, la sortie médiatique de Eve Bazaïba fait un grand débat. Elle a déclaré dans cette sortie médiatique, je peux citer quelques paragraphes,
elle confirme que d'après tout ce qu'elle a eu à expliquer, son chef, qui est aujourd'hui son chef, le président de la République, n'était pas élu aux élections de 2018. Eve Bazaïba travaille avec Félix Tshisekedi depuis très longtemps. Et dans cette émission, on lui demande si son parti politique, le MLC, a un candidat à soutenir en décembre, dans 6 mois. Elle dit non, on n'a pas encore décidé. C'est le Congrès qui décidera. Alors que Jean-Pierre Bemba, à l'époque, dans les grands Équateurs, a évoqué la candidature de Félix Tshisekedi comme la candidature unique que lui, Jean-Pierre Bemba, pourra soutenir. Alors, c'était en rapport avec l'électrification, je crois, de Libengue ou de Zongo. Et Jean-Pierre Bemba avait annoncé la candidature de Tshisekedi là-bas, mais d'après Eve Bazaïba, elle n'a pas encore un candidat. Et vous avez mené une enquête. Vous travaillez sur Eve Bazaïba depuis plus de 2 ans maintenant. Et vous avez conclu dans votre dernier journal, dernier article, vous dites que Eve Bazaïba s'est tiré une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez-y, on vous écoute. Oui, merci HK. Alors, avant de parler du vif, d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord planter le décor hein, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité congolaise au quotidien, peut-être pour des personnes non congolaises qui ne connaîtraient pas Eve Bazaïba en détail. En fait, c'est une dame qui a commencé sa carrière politique au sein de l'UDPS en 1988, quand l'UDPS était encore en clandestinité, puisque, si vous rappelez bien, les partis politiques ont été officiellement autorisés de fonctionner lorsque le président Mobutu a fait son discours du 24 avril 1990 consacrant le retour au multipartisme. Alors, elle est restée dans l'UDPS jusqu'en 2004, après l'accord global et inclusif de l'Afrique du Sud. Donc, on peut conclure que Eve Bazaïba est, comme 80% des acteurs politiques congolais, élève d'Étienne Tshisekedi. Donc, c'est là où elle a commencé sa carrière. Et à partir de 2004, elle adhère au MLC de Jean-Pierre Bemba jusqu'à ce jour. Alors, le 12 avril 2021, elle est nommée vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, le premier gouvernement de Samalou Kondé. Et le 25 mars 2023, elle baisse un peu en grade hein, du point de vue des préséances dans le gouvernement, puisque dans le deuxième gouvernement de Samalou Kondé, le 25 mars 2023, Eve Bazaïba descend d'un cran. Elle quitte la position du vice-premier ministre pour occuper celle de ministre d'État. Pourquoi ces petits aménagements techniques? Tout simplement parce que Jean-Pierre Bemba est entré dans le gouvernement. Jean-Pierre Bemba, qui est le chef de son parti politique, a été nommé ministre de la Défense nationale. Alors, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de faire un petit aménagement technique pour que Jean-Pierre Bemba occupe la préséance par rapport à Eve Bazaïba, qui est sa protégée. Alors, ça, c'est juste pour permettre à ceux qui ne suivent pas tous les jours. Alors, maintenant, pour répondre à votre question. Donc, si je comprends bien, pour aider nos téléspectateurs à bien comprendre Maman Eve Bazaïba, très souvent on l'appelait Maman Eve. Alors, donc, elle quitte de l'UDPS jusqu'au MLC et elle n'a pas d'autre parti politique. Oui, elle n'a eu que 2 partis politiques, c'est-à-dire que dès son très jeune âge, elle a commencé sa carrière politique au sein de l'UDPS. Donc, il faut préciser, HK, que 80% d'acteurs politiques congolais, que ce soit ceux qui sont dans le PPRD, dans le MLC, dans tous les partis politiques, 80% sont formés par Étienne Tshisekedi au sein de l'UDPS. D'accord, évoluons. Elle fait partie de cette classe politique. Alors, le 26 juin dernier, Eve Bazaïba qui participait à un sommet sur le nouveau pacte qui s'est déroulé à Paris sur les nouveaux financements pour l'environnement.
a accordé une interview à la radio Top Congo FM où elle a fait des déclarations que nous, au niveau du Grand Journal, nous considérons comme étant un délit de désolidarisation avec le gouvernement dont elle fait partie. Et ces délits, en temps de guerre, comme c'est la situation de la RDC maintenant, peut être assimilé à la haute trahison. Tout simplement puisque... Comment vous expliquez ça? Oui, tout simplement puisque en temps de guerre, le gouvernement a besoin d'être solidaire autour de son chef, autour du président de la République qui est le commandant suprême des forces armées, et la solidarité au sein du gouvernement permet de cimenter la cohésion nationale, de mobiliser la population, de soutenir les forces armées, de soutenir les services de renseignement pour permettre au commandant suprême des forces armées de conduire la politique nationale de la défense et de venir à bout de l'ennemi. Alors, les déclarations que Eve Bazaïba a faites, je vais citer quelques extraits. Elle dit par exemple ceci. Elle dit, après les élections, nous étions choqués de ce qui est arrivé. Nous, en tant que Lamouka, et cela ne m'engage que moi. Donc, elle insiste, nous étions battus, nous étions convaincus d'avoir obtenu la victoire, mais cela s'était décidé autrement que le président Félix Tshisekedi soit déclaré gagnant. Donc, déclaré, c'est-à-dire que pour Eve Bazaïba, Félix Tshisekedi n'a pas été élu président de la République le 30 décembre 2018. Donc, il faut rappeler, HK, que Eve Bazaïba était parmi les grands chantres de ce qu'on appelait à l'époque la vérité des urnes. C'est-à-dire que pour elle, jusqu'à sa nomination comme ministre de l'Environnement, elle militait contre la victoire de Félix Tshisekedi. À tel point qu'elle avait même qualifié le pouvoir de Félix Tshisekedi d'un pouvoir souillé. Alors, aujourd'hui, elle est membre du gouvernement, elle est soumise à ce qu'on appelle les devoirs de solidarité pour des raisons surtout que j'ai évoquées et surtout que nous sommes en situation de guerre. En principe, la conséquence immédiate de sa déclaration, c'est qu'elle devait démissionner dans les 24 heures qui suivent. Donc, faute de démissionner, elle devait être contrainte à démissionner par le Premier ministre. Donc, cette déclaration montre qu'elle n'est pas avec le président de la République. Elle s'est désolidarisée un tout petit peu. Oui, non, pas un tout petit peu. En fait, en sciences politiques, ça s'appelle désolidarisation, puisque le gouvernement, tous les membres du gouvernement, même lorsqu'on fait un gouvernement d'union nationale et que les membres du gouvernement ne viennent pas nécessairement du parti du président de la République, puisque selon la constitution qui régit la RDC actuellement, quand vous êtes membre du gouvernement, c'est le cas du président de la République. En tant que président de la République, il cesse d'être membre de l'UDPS. C'est tout comme les ministres, tous les ministres qui sont dans le gouvernement, cessent d'être membres de leur parti politique pour servir la nation et ne pas créer, se mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Mais Eve Bazaïba déclare plus loin, par exemple, elle déclare que en rejoignant le gouvernement, j'ai fait la politique du MLC. Alors qu'il n'y a pas la politique du MLC dans le gouvernement, il n'y a que la politique édictée par le président de la République qui a été élu au suffrage universel. Donc, quand elle est au gouvernement, elle a deux politiques à suivre. La politique de son parti politique MLC et la politique du président de la République. C'est comme ça que vous avez compris ça dans votre article. Non, en fait, elle-même, elle l'a dit elle-même au cours de son interview. Elle dit, en rejoignant le gouvernement de Félix Tshisekedi, elle n'a pas trahi la population puisque, en fait, elle fait la politique du MLC. Donc, elle ne fait pas autre chose qu'appliquer la politique du MLC et on ne connaît pas la politique. On ne sait pas quelle est la politique du MLC puisque la politique qui est appliquée actuellement est celle qui a été défendue par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et qui a été élaborée sous
Bon, passez-moi l'expression. D'après le projet de société du président Félix Tshisekedi, qui était élu au suffrage universel, mais Eve Ozaïba conteste cette élection et conteste cette politique en même temps. Et du coup, la conséquence immédiate, c'est qu'elle devrait, en réalité, en toute liberté, déposer sa démission. Mais si elle ne dépose pas sa démission, elle devrait être contrainte par le Premier ministre à lui remettre sa démission. Mais en cas de démission, le président de la République doit accepter et appeler à accepter, puisque les verbes devoir, je ne souhaite pas l'appliquer pour le président de la République. Le président de la République est appelé à accepter cette démission. Mais moi, visiblement, le président de la République est en train de promouvoir les femmes. C'est la raison pour laquelle, dans ce pays, on n'a jamais connu une femme vice-premier ministre ou vice-première ministre. Donc, enfin, je ne sais pas comment on doit le dire. Et pour la deuxième fois, pour la première fois, voir une femme ministre d'État et le chef de l'État, je ne pense pas qu'il peut être prêt à recevoir une telle démission et l'accepter comme telle. Vous oui, ne voyez pas fait, que votre analyse peut-être... Bon, c'est votre enquête, la conclusion de votre enquête par rapport à la sortie médiatique de Eve Ozaïba. Est-ce que vous pensez que le président de la République est prêt à recevoir une telle démission et la valider? En fait, pour répondre à cette question, HK, il faut se référer à une jurisprudence que nous avons connue il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que le président de la République avait insisté pour qu'il y ait la représentativité des femmes et non seulement de manière protocolaire, telles qu'on les voyait dans les gouvernements précédents, mais les femmes aujourd'hui occupent des postes très stratégiques. Ce fut le cas de Mme Jeanine Mabunda qui a occupé le poste de la présidente de l'Assemblée nationale, mais le comportement de Eve Ozaïba aujourd'hui rappelle celui de Jeanine Mabunda qui n'avait aucun égard à l'institution président de la République. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous suivent que dans la constitution de la RDC, nous avons 4 institutions et la première de ces institutions, c'est le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Et le président de la République est la clé de voûte. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce qui fait que les autres institutions lui doivent égard et surtout que nous sommes, j'insiste là-dessus, c'est très important, en temps de guerre et qu'on a besoin de la solidarité entre toutes les institutions pour cimenter la solidarité nationale. Donc, pour répondre à votre question, HK, ceci ne dépend pas du président de la République, ceci est la conséquence logique du fait qu'un membre du gouvernement refuse d'être solidaire avec le même gouvernement, refuse d'être solidaire avec le reste de membres du même gouvernement, refuse d'appliquer la politique du gouvernement, la conséquence normale, c'est qu'elle doit soit démissionner librement, soit, je ne vais pas être très dur pour aller jusqu'à dire, être chassée du gouvernement. Alors, maintenant, est-ce que vous avez fini avec tout ce que vous avez déniché dans cette interview comme faiblesse de Mme Eve Ozaïba? À part le fait de remettre en cause les pouvoirs du chef de l'État, qu'est-ce qu'elle a encore, qu'est-ce que vous avez encore constaté? En fait, bon, comme tu l'as dit dans ton introduction, nous travaillons sur Mme Eve Ozaïba comme nous travaillons sur d'autres personnalités et sur d'autres institutions depuis très longtemps. Mais avant de parler de nos recherches précédentes sur Mme Eve Ozaïba, il faut dire qu'elle s'est mise dans une situation difficile aujourd'hui puisque Jean-Pierre Bemba est aujourd'hui sommé de choisir entre sa survie politique et sa protégée qui est Mme Eve Ozaïba, puisqu'il faut rappeler à chaque fois que Jean-Pierre Bemba lui-même se retrouvait dans une situation d'échéance de ses droits civiques et politiques qui ne disait pas son nom après sa condamnation à la Cour pénale internationale. Rappelez-vous qu'en 2018,
sa candidature n'a pas été validée par la Commission nationale électorale indépendante et la Cour, ouais. La Cour constitutionnelle, tout simplement, puisque les institutions avaient évoqué le cas de l'infraction pour laquelle il a été condamné, à savoir la subornation des témoins, même s'il y avait une polémique autour de cette infraction, puisque les uns parmi les juristes étaient divisés, les uns considéraient qu'il s'agissait de la corruption et auquel cas sa candidature ne devrait pas. Elle était en quelque sorte déchue de ses devoirs, de ses droits civils et politiques. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui, en le nommant, le président l'a en quelque sorte blanchi. Le président l'a en quelque sorte ressuscité de sa mort politique. Et aujourd'hui, il ne pourra pas choisir entre sa survie politique et les sauvetages de Mme Eve Bazaïba. C'est pour cela, d'ailleurs, tu l'as bien dit dans ton introduction, Jean-Pierre Bemba a dit sans ambiguïté que son candidat, donc le candidat du MLC, dans le cadre de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est le président, ouais, c'est le président Félix Tshisekedi, oui. Oui, Eve Bazaïba a du mal à se prononcer là-dessus en disant qu'il faut attendre le congrès du MLC, etc. Mais en fait, je vais faire une petite comparaison entre ce qui se passe dans la classe politique actuellement avec les femmes. Il y a Madame la princesse Adel Kayinda qui est devenue ministre du portefeuille sur la liste de l'AFDC de Bahat Lukwebo. Mais après la création, une fois quelques mois, quand elle s'est requinquée dans son poste, peut-être en profitant du fait qu'on a un président de la République qui fait la promotion des femmes, Madame Adel Kayinda a décidé de créer son propre parti politique et de prendre ses licences par rapport à Modeste Bahati. C'est-à-dire Adel Kayinda aujourd'hui n'est pas dans l'Union sacrée au compte de l'AFDC, mais elle est là à son compte propre. Alors à l'origine, elle était venue de l'AFDC. Un autre cas de figure, c'est celui de Madame Antoinette Kipoulou, la ministre de la formation professionnelle, qui est entrée aussi au gouvernement sur proposition du parti de M. Jean-Marie Elissé. Et aujourd'hui, selon nos informations obtenues auprès du parti de Jean-Marie Elissé, Mme Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, a créé son parti politique pour dont on assiste à plus en plus d'émancipation des femmes. Donc, il faut attendre pour voir dans les jours à venir si Mme Eve Bazaïba ne va pas, après son départ du gouvernement, créer son parti politique pour prendre les distances avec Jean-Pierre Bemba. Et surtout que le président de la République a déclaré qu'il aimerait que son successeur soit une femme. Donc, je pense qu'on assiste de plus en plus à des femmes qui veulent un peu s'émanciper du pouvoir des hommes, de la tutelle des hommes pour prendre... Donc, vous voyez Mme Eve Bazaïba suivre aussi la même direction que celle prise par Mme la princesse, comment vous l'avez appelée, Adel Kayinda. Donc, vous voyez Antoinette Kipoulou. Donc, vous voyez Eve Bazaïba suivre la même direction, peut-être créer son parti d'ici là. Ça, on va le voir après son départ du gouvernement, puisque c'est évident que la conséquence logique de sa sortie médiatique, de sa solidarisation avec le chef de l'État et le gouvernement, la conséquence logique, c'est qu'elle sera contrainte de quitter le gouvernement. Et là, on le verra, puisque si Jean-Pierre Bemba, elle va essayer de penser que Jean-Pierre Bemba va la soutenir, alors que c'est clair que Jean-Pierre Bemba n'est pas dans la position de la soutenir, c'est fort possible que Mme Eve Bazaïba puisse créer son parti politique. Puisque Jean-Pierre Bemba ne s'est pas encore prononcé là-dessus, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre peut la soutenir dans ce cas, ou Jean-Pierre peut avoir un autre regard par rapport à ses comportements, où elle va
peut-être elle a demandé, elle s'est excusée peut-être pour ses propos. Comment vous appréciez les silences de Jean-Pierre Bemba par rapport à ça? Est-il d'accord ou il est déçu aussi? Il faut voir ça depuis le départ, hein, depuis l'éclatement de la Mouka. D'abord, il faut rappeler que pendant la campagne électorale de 2019, Félix Tshisekedi insistait, il est répété chaque fois que si nous prenons le pouvoir, nous allons diriger avec nos amis de la Mouka. Et si nos amis de la Mouka prennent le pouvoir, ils vont diriger avec nous. Donc, Félix Tshisekedi était convaincu que le pouvoir allait appartenir à l'opposition, que ce soit à l'aile de la Mouka dirigée par Martin Fayulu. Oui, ça, il avait dit, oui. Oui, Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba et les autres, ou soit que c'est lui Tshisekedi qui allait prendre le pouvoir, mais dans tous les cas, pour lui Tshisekedi, il fallait que tous les fils de l'opposition puissent se réconcilier et il a répété dans son discours d'investiture le 24 janvier 2019 où il a même tendu la main à Martin Fayulu. Et pour répondre à votre question, vous allez voir que pendant la bataille de la vérité des urnes, Jean-Pierre Bemba n'a fait aucune déclaration. Donc, il n'a pas, Jean-Pierre Bemba n'a jamais diabolisé Félix Tshisekedi. Et il était le premier. Lorsque le président Tshisekedi a lancé l'appel pour l'Union sacrée, il était le premier à venir rejoindre Félix Tshisekedi. Et je crois que pour lui, il comprenait que sa survie politique dépendait de sa bonne relation avec Félix Tshisekedi. Et il faut dire aussi que sur le plan politique, Jean-Pierre Bemba n'est pas né de la dernière pluie. Donc, il connaît les méandres de la politique, la réelle politique. Il sait que la politique, c'est l'art des négociations. La politique, c'est l'art du compromis. La politique, c'est l'art du possible. Donc, lui, il s'est inscrit dans cette logique-là et il a déjà déclaré que... Mais à l'époque, il n'avait pas expliqué tout ça à ses collègues de la Mouka. Il a gardé tout ça lui-même, tout en disant « je vais y aller mais de manière personnelle », c'est ça? Oui, parce que là, Eve Bazaïba l'a dit. Elle a dit elle-même qu'il n'y avait pas eu consensus au sein de la Mouka, puisqu'il y a eu une aile dure qui s'est créée, puisque la Mouka était complètement fragilisée. Il y a eu d'abord le professeur Matungulu qui était nommé par le chef de l'État, qui est allé à la Banque africaine de développement. Après, il y a Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba qui sont venus rejoindre. Et vous voyez que Adolphe Mouzito adopte une situation d'ambiguïté. Hein. Il est un peu frileux. Il n'arrive pas vraiment à se positionner. Et selon nos informations, il y a des négociations en coulisses. Adolphe Mouzito fait des négociations en coulisses pour rejoindre l'Union sacrée. Donc, ce qui fait que donc Jean-Pierre Bemba, en tant qu'animal politique, il jouait sa carte. Et aujourd'hui, ça sera en tout cas très difficile qu'il puisse soutenir Eve Bazaïba dans sa descente aux enfers, puisque on va assister dans les heures qui viennent, effectivement, que le Premier ministre va lui demander, sur instruction du chef de l'État, d'obtenir sa démission si elle-même ne le fait pas, si elle n'a pas encore commencé à le faire. Alors, vous avez aussi, vous avez beaucoup travaillé sur les dossiers de Madame Eve Bazaïba et vous êtes même allé trop loin en traitant son travail ou en la traitant d'incapable par rapport à la responsabilité lui confiée. Et ça, c'est votre article que vous avez publié, je crois, il y a une année. Non, il y a... Oui, il y a une année, ça c'est un article publié au mois de février... 2022. Oui. Oui, au mois de février 2022, Madame Eve Bazaïba venait approximativement de totaliser une année à la tête du ministère de l'Environnement et Développement Durable, puisqu'elle était nommée au mois d'avril et nous avons publié cet article au mois de février, c'est-à-dire deux mois avant son premier anniversaire dans le gouvernement. Et cet article, comme tu l'as dit, c'est une interrogation, c'est une question que nous nous sommes posées de savoir si Eve Bazaïba était à la hauteur des enjeux mondiaux de l'environnement, puisqu'il y a énormément d'enjeux. Et une des missions que le chef de l'État avait confiée à Madame Eve Bazaïba, au moment où elle a été nommée, c'était de préparer la COP26,
qu'il devait avoir lui en Écosse, à Glasgow. C'était le principal dossier qu'il devrait préparer pendant une année. Mais pendant cette enquête, pendant que nous menions cette enquête, nous avons interrogé parmi les experts que nous avons interrogés, il y a le professeur Dieudonné Moussibono, qui est conseiller spécial au moment où nous menions cette enquête du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de l'environnement et développement durable, et qui est également professeur de développement, professeur au département de l'environnement à l'Université de Kinshasa. Il a déclaré ceci. Il a dit que la délégation de la RDC s'était présentée sans aucun projet d'envergure susceptible de convaincre les bailleurs des fonds à investir des sommes conséquentes au prorata de compensation aux efforts d'une nation dite pays solution comme la RDC. Donc, il faut rappeler que lors de cette conférence, la RDC a obtenu 500 millions de dollars répartis sur 5 ans, alors que le Brésil, le Brésil a obtenu 29 milliards de dollars et l'Afrique du Sud, qui n'a pas le même richesse environnementale que la RDC. Que la RDC? L'Afrique du Sud a obtenu 9 milliards de dollars. Alors, les experts... Donc le Brésil, 29 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 9 milliards. Et la RDC, 500 millions. La RDC, 500 millions seulement, mais les 500 millions répartis sur... trois ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette grande différence, cet écart-là, ça vient d'où? En fait, il faut rappeler que la RDC est propriétaire de 62% du massif forestier du bassin du Congo, qui le partage avec d'autres pays de l'Afrique centrale. Alors, à ce titre-là, selon les experts avec lesquels nous avons discuté, Mme Eve Bazaïba était chargée de préparer des dossiers concrets sur base des expériences pilotes déjà réalisées au pays avant d'aller à cette conférence. C'était la mission principale qui lui a été confiée, mais elle n'était pas capable de préparer un seul dossier. Donc, ils se sont présentés en Écosse sans aucun dossier, et c'est ce qui a fait que la RDC est rentrée main vide, n'était pas en mesure d'obtenir de l'argent. D'ailleurs, Ashka, il faut préciser que les experts étaient très en colère parce que le président de la République avait salué l'accord qui était signé lors de ce sommet, et les experts avaient considéré que la ministre Eve Bazaïba avait induit le président en erreur puisque elle-même ne comprend pas la matière environnementale. Donc, elle est incompétente du point de vue des experts. Mais ça c'est grave alors. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a moyen de récupérer cette situation? Les milliards ont été déjà distribués aux pays qui ne les méritaient pas plus que la RDC. Est-ce que, à quel niveau elle peut devenir capable? Puisque là, vous avez conclu votre enquête que elle était incapable à l'époque. Est-ce qu'il y a possibilité de lui donner une chance pour peut-être changer? En fait, nous, quand nous avons publié cet article, par exemple, nous avons été contactés par le cabinet de Mme Eve Bazaïba, qui était très en colère contre cet article au mois de février 2022, au moment où nous l'avons publié. Alors, nous avons discuté avec le cabinet et nous leur avons dit... selon les analyses du grand journal, avec tous les experts et la manière dont la matière de l'environnement et développement durable, qui est une nouvelle matière au niveau international aujourd'hui, il faut que Mme Eve Bazaïba crée une économie nationale en matière de l'environnement. Donc, elle devait se baser sur le capital humain congolais, c'est-à-dire les experts congolais qui sont au pays et dans la diaspora dans des questions de l'environnement, dans des questions de développement durable, pour créer une ingénierie nationale, c'est-à-dire
Vous voyez, la RDC a des forêts, la RDC a des mines, la RDC a des eaux, mais la RDC n'a aucune école spécialisée. Parce qu'on voit, par exemple, dans le grand pays de l'environnement comme l'Australie, par exemple, vous avez d'un côté des écoles spécialisées qui forment les ingénieurs et de l'autre côté, les mêmes écoles forment la main-d'œuvre, puisqu'il faut que les masses laborieuses puissent comprendre la même terminologie, qu'ils puissent parler le même langage que les ingénieurs qui commandent pour la création des entreprises, la création... Mais nous avons en RDC l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature. Ça ne fait pas partie de ses attributions? Non, l'Institut congolais pour la conservation de la nature ne forme pas. C'est un centre de recherche. C'est-à-dire que ils font l'observation. Et donc, il faut créer... La RDC n'a aucune école. Nous avons des facultés de l'environnement à l'Université de Kinshasa et d'autres départements tels que la géologie, les mines à l'Université de... Mais il n'y a pas une école spécialisée. Il n'y a aucune école spécialisée pour former en matière de l'environnement en RDC. Et nous, quand nous avons discuté, par exemple, avec le cabinet, nous avons dit au cabinet de Mme Eve Bazeyaba que ça aussi, ça pouvait constituer la priorité de la ministre pour créer, développer une politique. Puisque quand vous allez négocier au niveau international, HK, pour qu'on vous prenne au sérieux, il faut que d'abord, au niveau de votre propre pays, vous soyez en mesure de décider, que vous soyez en mesure de gérer vos propres ressources, vos propres écosystèmes pour produire d'abord de l'argent au niveau national. C'est-à-dire que Mme Eve Bazaïba a passé son temps à voyager, à être dans les avions. Elle n'a pas été capable, et les experts lui reprochent, de ne pas associer. Puisque ce n'est pas seulement les gens qui travaillent au ministère qui doivent participer à l'exécution de la politique nationale en matière de l'environnement et de développement durable. C'est un secteur qui doit créer énormément d'entreprises, énormément d'emplois. Mais elle a passé tout son temps à participer à des conférences en train de commander de l'argent, mais malheureusement sans aucun projet. Donc aujourd'hui, je pense que l'attitude qu'elle a affichée ressemble un peu à celle que nous avons vue avec des députés. Certains députés tels que les Mukebayi et les autres, tout simplement puisqu'ils se sont retrouvés avec le mandat, mais ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. D'où il faut aller dans les médias, raconter des choses, et leur place n'est pas dans les institutions. Donc leur place est dans les médias et les réseaux sociaux. Ils s'ennuient au bureau parce qu'ils n'ont pas la capacité de produire des politiques en rapport avec les institutions qui leur ont été confiées par la République. Donc, là, on voit ces comportements dans les médias. Merci beaucoup. Merci, Eric Mwamba, pour ces explications bien fouillées. Alors, pour terminer ce sujet de Mme Eve Bazaïba, il y a quelqu'un qui dit que comme... on est presque déjà à la fin de cette législature. Est-ce qu'on peut la laisser terminer l'année? Et peut-être le président de la République va en tirer toutes les conséquences s'il sera réélu en 2023. Quand même, c'est notre ami téléspectateur a quand même raison de dire que, bon, malgré ce dérapage, on peut lui accorder une chance juste pour ces 6 mois qui restent. Puisque même s'il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour la remplacer, il n'aura pas une grande responsabilité, il ne comprendra pas son ministère, du coup, il ne sera pas à la hauteur. On peut la laisser qu'elle termine juste 6 mois qui restent. Vous avez aussi cette conviction, je pense. Bon, c'est l'opinion de notre téléspectateur. Nous sommes en démocratie, mais 6 mois, c'est le mandat en Suisse. Hein. C'est-à-dire qu'en Suisse, vous avez la Confédération helvétique et dirigée par une présidence tournante qui a un mandat de 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je pense que si ça dépendait de moi, il faut mettre Mme Eve Bazaïba dehors immédiatement. Puisque non seulement elle n'est pas capable de gérer le grand ministère qu'on lui a confié,
mais aussi elle n'est pas en mesure de soutenir, le gouvernement n'est pas en mesure de soutenir la RDC, les chefs de l'État. J'ai dit bien que les délits de désolidarisation dont elle s'est rendue auteur est assimilable à la haute trahison en temps de guerre dans le pays. Elle peut même être poursuivie en justice. Donc, je ne pense pas qu'il faut la laisser à la tête de ce ministère, même pas une minute. En tout cas, si ça dépendait de moi. Si ça ne dépendait que de Eric. Merci beaucoup, Eric, merci. Je vois que vous êtes un peu dur envers ça par rapport à vos conclusions. Merci beaucoup. Chers amis, vous qui aimez bien sûr lire, vous pouvez lire plusieurs articles d'enquête, d'investigation, de grande investigation sur grand journal cd.cd. Alors, allez-y. Grandjournalcd.com. Je m'excuse. Grandjournalcd.com. Là, c'est tous les articles sont là. Mais il y a une question aussi. S'il faut tourner cette page, nous y reviendrons. Peut-être nous allons voir ce que le gouvernement de la République fera d'ici peut-être une semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, si et seulement si Eve Bazaïba va quitter le gouvernement. Alors, l'autre question qui fait beaucoup de bruit, c'est la sortie médiatique des évêques. Et vous avez même suivi Monseigneur Fulgence Albomachi, qui a fortement critiqué, même qui a critiqué même d'autres églises, qui ont les deux, je pense que Monseigneur Ambongo d'une part et Monseigneur Fulgence de l'autre. Ils ont fustigé les gouvernements actuels, sa manière de gérer les pays, et ils sont très durs envers ça. Vous avez fait aussi une enquête là-dessus. Quelles sont les conclusions de votre enquête sur l'apport de l'Église catholique maintenant par rapport à l'état actuel? Nous disons, nous sommes en guerre. Alors, quelles ont été vos conclusions? Bon, en fait, l'Église catholique est dans la ligne constante de l'objet pour lequel elle est venue au Congo. En fait, c'est quand l'Église catholique est venue au Congo, pendant la colonisation, il y a même des archives où le roi Léopold leur dit clairement, il dit aux prêtres catholiques qui sont venus, il leur dit que votre mission n'est pas d'évangéliser le Congolais. Votre mission est d'aider l'administration coloniale à coloniser, à réaliser les objectifs pour lesquels elle est là. Et vous savez que ce qui s'est passé avec l'administration coloniale, c'est que les Congolais, les mains des Congolais ont été coupées. Ont été coupées, oui. Oui, c'est-à-dire que les Congolais ont été traités comme des objets. Il y a eu des crimes graves, des traitements dégradants, des traitements inhumains et des crimes contre l'humanité. Et le rôle des prêtres catholiques était d'aider la police. Le rôle des prêtres catholiques était d'aider la colonisation à travers notamment le système des confessions, c'est-à-dire que un Congolais qui allait se confesser auprès du prêtre que j'ai volé ou bien j'ai fait ceci, j'ai tué, ou bien vous savez que il y avait une grande contestation, il y avait une grande opposition, les Congolais s'opposaient à l'administration coloniale et comme ils considéraient ça comme péché, ils allaient confesser auprès des prêtres qu'ils avaient comploté contre l'autorité et le prêtre les dénonçait, ce qui faisait que dans les heures qui suivaient, la personne qui s'était confessée s'est retrouvée entre les mains de la police. Donc ça, c'est le rôle pour lequel l'Église catholique est venue. Deuxième chose, aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'Église catholique reproche deux choses au gouvernement. Deux choses. La première chose, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la première chose que l'Église catholique reproche. Exact, c'est ça, oui. Ouais. La Sénéco reproche la mauvaise gouvernance, la gabégie. Ils ont employé l'expression la gloutonnerie. C'est ça l'expression qu'ils ont employé dans leur lettre. Deuxième élément dont ils reprochent le gouvernement, c'est des violations
caractérisé des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Oui, mais c'est grave, c'est absurde. Pourquoi? Moi, je veux envoyer... Pourquoi? Allons-y, oui. Pourquoi? Les personnes qui nous suivent, en fait, l'Église catholique est le meilleur exemple de ces deux méfaits. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, prenons de mauvaises gouvernances, de mauvaises gestions. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étudiais dans les écoles catholiques, et les écoles catholiques sont à proximité du couvent. Dans la plupart des cas, pour des gens qui ont étudié dans les écoles catholiques, ils savent que les écoles catholiques sont à proximité des couvents. Et à l'époque, quand il y avait des prêtres blancs dans le couvent, il y avait ce qu'on appelait l'économa. Donc, il y avait l'économa. Oui, l'économa. Oui, c'est-à-dire que dans le couvent, il y avait des poulaillers. On cultivait, il y avait des potagers, on produisait ce qu'on mangeait dans le couvent et était produit sur place. C'est-à-dire que vous pouvez manger la bonne salade, vous pouvez manger, déguster un bon yaourt, il y avait la bonne vie dans le couvent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allez dans le couvent. Dans le couvent aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est la débandade. Hein? C'est pas possible. Mais c'est la débandade. Vous savez, aujourd'hui, Ashka, moi, je vais donner des références à nos téléspectateurs. Les sœurs religieuses, et j'assume ce que j'ai dit, les sœurs religieuses aujourd'hui se font engrosser à la cité à cause de foufou, à la richesse de foufou. Parce qu'il n'y a pas la nourriture au couvent. C'est pas possible. Oui, nous pouvons mener une enquête. Je te mets au défi. Ashka, tu es aussi meilleur journaliste d'investigation. Nous pouvons nous donner le défi de mener des enquêtes. Tu verras que les sœurs religieuses ne sont pas dans le couvent. Les prêtres, comme les petits prêtres, comme les vicaires, les curés, mais ils sont partout à la cité en train de chercher la nourriture, en train de se faire corrompre partout. Pourquoi? Puisque dans le couvent, c'est la catastrophe. Il y a même un livre, il y a même une étude. Et puis, sur les plans de violation des droits de l'homme, il y a une étude doctorale qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, réalisée par une sœur togolaise en Italie, consacrée aux violences, aux sévices sexuels, donc les viols que les prêtres sont en train d'infliger aux sœurs religieuses tous ces jours ici. Après, il y a la question sur la pédophilie. Oui, j'ai eu un livre, je ne saurais pas quitter les plateaux. C'est exactement dans les mêmes. Alors, donc, vous dites que sur les deux, exemples que l'Église catholique brandit aujourd'hui contre les gouvernements, l'Église catholique est elle-même modèle. Exemplaire. L'Église catholique ne peut pas reprocher au gouvernement de Félix Tshisekedi ni des violations des droits de l'homme, ni de mauvaise gouvernance, puisque eux-mêmes, ils sont des champions dans ces deux choses. Alors, vous savez, il y a aussi un point sur la discrimination ou la haine ou le tribalisme. Donc, tout est mis dans le même paquet. Moi, j'ai étudié aussi dans une école catholique. Vous savez que nous avions des obligations. Si tes parents ne sont pas des catholiques, tu n'as pas droit d'étudier dans... Je ne sais pas si c'est encore en cours aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'ai vu Mgr Ambongo qui avait pris une décision. Si l'enseignant n'est pas catholique, il n'est pas appelé à enseigner dans des écoles catholiques. Donc, cette discrimination pour l'Église catholique, ça va. Mais si ailleurs, ça doit poser un problème. Alors, donc, comment vous avez conclu vos enquêtes sur cette intervention de l'Église catholique? Non, c'est l'Église catholique doit se taire puisque nous sommes dans un État laïque. C'est-à-dire que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre un État laïque. En RDC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous n'avons pas une religion d'État au Congo, puisque au Congo, nous avons des personnes qui sont des chrétiens, nous avons des personnes qui sont des animistes, et nous avons des personnes qui sont athées,
nous avons des personnes qui sont des musulmans. C'est-à-dire qu'un évêque catholique ou un imam musulman peut se prononcer sur la politique congolaise en tant que citoyen, non en tant qu'évêque. Donc, un évêque n'a pas le droit de se prononcer en tant qu'évêque en ce qui concerne la politique congolaise. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. De même, un imam musulman n'a pas le droit de se prononcer sur la politique congolaise en tant qu'imam ou un athée. Donc, tu te prononces en tant que citoyen. Donc, tous les évêques, là, les évêques catholiques, ils ont le droit de se prononcer en tant que citoyen, mais pas en tant qu'évêque. Se prononcer en tant qu'évêque constitue la violation de la Constitution qui mérite qu'il soit poursuivi en justice, puisqu'il y a la hein, y a la séparation de l'État et de la religion. C'est ce que Monseigneur disait, que la loi Tchani va diviser les peuples de Dieu. Or, il oublie que on n'a pas changé la Bible pour que on n'a pas enlevé d'autres versets. Quand il fait allusion au peuple de Dieu, il croit que toute la RDC est catholique et peuple de Dieu qui, je ne sais pas comment il a fait ça, mais qu'est-ce que vous pensez? Donc, Mobutu, peut-être, avait parfois raison d'évoquer ça. Oui, écoutez, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. Je ne peux pas mélanger les deux. Ah, là, c'est... Même le Christ lui-même était formel. À Dieu ce qui est à Dieu, parce César, ce qui est à César. Nous sommes une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Voilà, donc vous avez suivi ça. Vous avez suivi ça, Eric Mwamba. Revenons à notre échange. Donc, Mobutu, parfois, avait raison de dire que à Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. En fait, c'est dans la Constitution, c'est dans le principe de laïcité, c'est dans la Constitution de la RDC. Ici, en Australie, par exemple, il est interdit... De recourir à la religion, par exemple, dans les auditoires à l'université. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner des exemples lorsque tu fais ta dissertation, tu ne peux pas donner des exemples à ta religion, puisque tout le monde n'est pas... De ta religion, par exemple. Et d'ailleurs, ici, le texte du serment, lorsque les gens prêtent serment pour devenir australiens, le gouvernement leur donne la possibilité de choisir s'ils vont utiliser la formule Dieu, devant Dieu, puisqu'il y a la formule devant Dieu et devant le peuple australien. Tu dois choisir si tu veux utiliser devant Dieu et devant le peuple australien. Tu es libre, il y a d'autres, même devant les cours et tribunaux, quand tu es invité au tribunal en tant que témoin et que tu dois prêter serment, tu as la liberté de choisir si tu prêtes serment devant Dieu ou si tu prêtes serment devant le peuple australien. Donc, le principe de laïcité est consacré à RDC et par conséquent, un évêque n'a pas le droit de se mêler de la politique du pays en tant qu'évêque. Il peut le faire en tant que citoyen. De la même manière, je l'ai dit, un imam musulman n'a pas le droit de se mêler de la politique en tant qu'imam, mais il peut le faire en tant que citoyen. Mais ce que je ne comprends pas, il y a l'église musulmane qui est en RDC, qui est aussi appelée à prendre de même position. Il y a l'église kimbanguiste aussi, il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a l'église... Mais apparemment, dans toutes ces églises, les dimanches, ils se limitent sur la parole de Dieu. Mais ce qui est contraire à ce que l'Église catholique, nous voyons ici, Monseigneur Ambongo, est-ce que vous avez aussi une fois la conviction du genre, oui, c'est de la politique, mais
voilé par peut-être des toges et autres, des robes. Est-ce qu'il est en train, l'Église catholique de la RDC est en train de faire la politique aujourd'hui? Non, en fait, les évêques catholiques sont nostalgiques hein, de la papauté, c'est-à-dire ils sont devenus un peu des analphabètes politiques, puisque à l'époque de la papauté, le pape était à la fois le chef spirituel et le chef politique. Alors, lorsqu'il y a eu, à l'époque, il n'y avait pas de système de république. Avec l'avènement de la république, on a séparé l'Église de l'État. C'est-à-dire que, tu vois, en Italie, par exemple, c'est là où il y a le siège de l'Église catholique, le Vatican. Le Vatican, c'est une espèce d'État. Tu n'entendras jamais le pape se prononcer sur la politique d'Italie. Puisque d'ailleurs, il n'y a pas longtemps maintenant en Italie, il y a une jeune dame d'extrême droite qui est premier ministre d'Italie, âgée de 40 ans. Tu n'entendras jamais le pape se mêler de ça. En France, par exemple, tu n'entendras la France qui a connu la monarchie. Tu n'entendras jamais. En France, il y a des grandes églises comme l'église de la Madeleine, comme Notre-Dame de Paris, qui sont des églises monumentales, qui sont érigées aujourd'hui en des monuments, mais tu n'entendras jamais le cardinal de Paris, par exemple, se mêler de la politique. Il faut tout simplement mettre fin à ça. C'est là où moi je déplore un peu l'attitude amnésique. Mettre fin, vous faites allusion à quoi? Fermeture ou arrestation? Il faut respecter la Constitution, puisque les évêques les font en violation de la Constitution. Il faut qu'ils soient poursuivis en justice, HK, en tant qu'individu. En tant qu'individu. Oui, en tant qu'individu, puisqu'ils n'ont pas reçu mandat de faire la politique au nom de l'Église. Sinon, il faut d'abord modifier la Constitution en supprimant le principe de laïcité. Le principe de laïcité veut dire quoi? Veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de religion d'État au Congo. C'est-à-dire tu peux croire en quelque chose ou en une personne. Ou... Tu connais l'église de Kadima Mwakoudi? Oui. Tu connais cette église? J'entends parler de ça. c'est une église de quelqu'un comme ça, un Kassaïen qui s'est réveillé un matin qui a dit que lui, il a reçu la révélation de la part de Dieu et puis il crée son église. Et il y a l'église de Simon Kimbangu. Par exemple, Simon Kimbangu, c'est un Congolais qui a dit qu'il a reçu de la part de Dieu la mission de parler de la part de Dieu. Il y a Tata Onda que j'ai déjà vu dans le Congo central avant sa mort. Oui. Imagine avec toute cette mosaïque, si la Constitution donnait la place à l'Église ou aux religions de régenter une partie de la politique nationale. Mais on va vivre dans la jungle. Moi, ce que je propose, c'est que il faut appliquer la Constitution, c'est-à-dire un prêtre ou un évêque catholique qui se mêle de la politique en utilisant sa position d'évêque ou de pasteur doit être poursuivi en justice. Mais s'il le fait en tant que citoyen, il n'y a pas de problème, puisque tout Congolais a le droit de parler de la politique de son pays, d'exiger la bonne gouvernance, d'exiger la redevabilité, d'exiger la transparence et la vérité dans la gestion des affaires publiques, mais il ne doit pas le faire en tant qu'évêque ou en tant que pasteur ou en ça, tant c'est... que... Ça, c'est très bien, très bien fait. Alors, oui. Et puis l'infraction? C'est une infraction, c'est une violation du principe de laïcité qui est un principe consacré. Vous voyez, il y a des pays comme le Maroc, par exemple, où il y a la religion d'État. C'est-à-dire, tu dois être musulman. Ouais. Tu dois être musulman. Il n'est pas autorisé d'être chrétien au Maroc, donc il n'y a pas la liberté religieuse. Nous avons le principe de laïcité, donne la liberté religieuse donc, et de croyance. Puisque tu peux dire que moi, mon Dieu, c'est le verre ici. Et vous ne pouvez pas utiliser votre position, votre Dieu qui est le vert, sur des questions d'État, par exemple. Alors, donc je comprends. Alors, terminons cette émission par votre dernière enquête.
celle de l'opposition aujourd'hui, qui a visité Denis Kadima le week-end. Et après, ils ont apprécié l'organisation, mais ils persistent en disant « nous n'irons pas, malgré les processus semblent être bons, il manque quelque chose ». C'est notamment vider cette équipe de Kadima, qui a répondu à toutes les questions de l'opposition, vider cette équipe, changer cette équipe en urgence, donc dans les 6 mois, et puis changer la Cour constitutionnelle, changer la loi électorale, ils ont demandé ça à la CENI, et puis auditer ces fichiers électoraux par une institution indépendante internationale crédible. Est-ce que vous avez mené une enquête là-dessus, vous avez publié quelque chose, je ne sais pas si c'est encore en écriture. Comment vous avez conclu ça? Quelle est votre appréciation de la question que vous voulez partager aujourd'hui avec nos téléspectateurs, qui sont nombreux, d'ailleurs près de 4000 connectés en train de suivre cette émission? En fait, HK, il faut dire que la dernière rencontre entre les fameux 4 leaders de l'opposition et la CENI consacre la primauté des institutions de l'État sur les caprices des individus. Donc, ils ont plié les genoux devant les institutions de l'État, puisque les élections ne sont pas une obligation en République démocratique du Congo. Je tiens encore à insister là-dessus. C'est-à-dire, un citoyen congolais n'est pas obligé d'aller voter ni d'être candidat aux élections. Il n'est pas obligé. Tout le monde est libre. Donc, c'est-à-dire qu'être candidat, c'est porter candidat aux élections, selon la Constitution de la République démocratique du Congo, est une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, c'est toi, HK, quand tu t'élèves, tu te dis, tu as quelque chose à apporter, tu as de l'innovation à apporter à ton pays, à ton peuple, que tu prends cette décision, tu prends cette responsabilité de te porter candidat et tu te présentes devant le souverain populaire, devant le souverain populaire. Primaire. Devant les souverains primaires, merci. Qui est le peuple congolais pour solliciter le suffrage. Mais sinon, du point de vue de la loi, il n'y a pas d'obligation. On a une jurisprudence, c'est l'UDPS, le plus grand parti démocratique en République démocratique du Congo, et son chef, Étienne Tshisekedi, je rappelle qu'il fut docteur en droit. Il n'y a pas mieux que lui pour connaître. C'est le premier docteur en droit en République démocratique du Congo. En 2006, il a décidé de ne pas se présenter aux élections. Et en 2011, il s'est présenté aux élections. Mais quand Kabila était proclamé président de la République, Tshisekedi a refusé de saisir la Cour constitutionnelle, puisqu'il savait que mais cette Cour constitutionnelle, tu penses qu'il va te donner raison devant les magistrats suprêmes que la Cour venait de condamner? Tshisekedi était conséquent envers lui-même. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition sont en train de nous distraire. Vous savez, si vous regardez même les noms de leurs partis politiques, vous savez, les partis politiques de ces sangas s'appellent Envol. Vous savez, Envol, ça veut dire quoi? Oui, il y a toute une signification là. Si c'est... Non, Envol, c'est moi, j'ai fait une formation pluridisciplinaire. Une partie de ma formation est consacrée à la lexicologie politique. Envol, okay. C'est le fait de quitter la terre pour planer dans l'espace, commencer à comme un boxeur ivre de coups. C'est ça, oui. Envol. Hein? C'est une personne qui n'a pas de pieds sur terre. Envol. Tu vois? Ok. D'accord. Il faut analyser aussi les noms des partis politiques. Si tu prends le parti de Mouzito, qui s'appelle le Nouvel Élan, l'élan c'est quoi? L'élan c'est, tu vois, quand les athlètes, avant que les athlètes ne s'engagent dans la course, ils prennent une position. Et cette position-là s'appelle élan. Et quelqu'un qui prend l'élan, c'est une personne indécise, c'est-à-dire c'est une personne sans volonté. C'est-à-dire que depuis que tu prends l'élan, mais tu ne bouges pas. Tu es dans une position de déséquilibre. Tu comprends? Tu vois, quand tu regardes les noms des partis politiques comme ça, comme LGD. LGD en anglais, ça signifie « life is good », donc quelqu'un qui aime la vie, comme Matata Mponyo.
quelqu'un qui est habitué à veiller dans la bon, alors, SID, éducation citoyenne pour... alors... Donc, Fayoulou n'a jamais implanté son parti politique. Pourquoi? Tu vois? C'est pour dire et puis, pour dire... Et puis, l'éducation citoyenne, là, je ne la vois pas. Il n'y a pas une école, une école du parti où on apprend peut-être le civisme aux citoyens. Je ne sais pas comment ça se passe aussi. Non, donc, les partis... C'est la distraction, tout simplement. Ils ont reconnu la primauté des institutions de l'État face à leurs caprices. Et Denis Kadima, c'est un grand diplomate. Puisque après avoir fait toute sa carrière dans les processus... électoraux à travers le monde, il est formé comme diplomate. Donc, tu vois, Fayoulou a déclaré que non, Denis Kadima a dit que s'il y avait ce genre de rencontres, on ne serait pas arrivé. Tu vois, quand tu regardes leur... puisque en communication, la communication verbale représente seulement 7% de l'acte communicationnel. La vraie communication, c'est le langage du corps. Quand tu regardes le langage, il faut voir l'image des opposants quand ils sont sortis de chez Kadima, ils étaient comme des poules mouillées. J'ai une vidéo ici, mais ça n'arrive pas à lire. Je vais voir ça. Alors, donc, vous pensez qu'ils étaient convaincus par... Ils sont convaincus puisque d'abord, l'audit du fichier électoral n'est pas une obligation légale. Vous voulez que les Français viennent auditer votre fichier électoral. Quand est-ce que les Congolais iront auditer les fichiers électoraux en France? Mais ce qui se passe en France n'est pas nécessairement ce qu'on peut attendre de la RDC. Est-ce que la RDC a toutes ces réalités? Ça aussi, non, c'est un autre... La RDC est un pays souverain, Ashkar. On peut décider aujourd'hui de supprimer les élections, il n'y aura rien. On peut décider... Rappelle-toi, Ashka, Laurent Désiré Kabila avait ramené Étienne Tshisekedi dans son village natal pendant 2 ans. Et la politique, on continue à faire la politique au Congo. Laurent Désiré Kabila avait supprimé et suspendu les partis politiques pendant 2 ans. Il n'y a rien eu. On peut décider aujourd'hui... Vous savez pourquoi les pays asiatiques se développent? Aujourd'hui, même les États-Unis empruntent l'argent en Chine. Pourquoi? Tout simplement puisque les pays asiatiques ont la stabilité institutionnelle. Puisque un pays ne se développe pas grâce à la démocratie. Un pays se développe d'abord avant de se démocratiser. On a dit ça dans la sociologie politique. Une société qui se développe a tendance à se démocratiser. HK, tu connais les États-Unis, tu connais l'Europe. Aucun pays dans le monde ne s'est développé grâce à la démocratie. Le pays se développe grâce au travail. Quand vous mettez les gens au travail, vous ne pouvez pas mettre les gens au travail dans la démocratie avec l'indiscipline des gens comme les Daniel Safou, par exemple. Mais là, c'est contraire même à ce que au nouveau plan du docteur Mukwege qui fera les tours de la RDC, juste pour montrer que la démocratie n'est pas du tout au rendez-vous en RDC, et donner sa contribution de sa manière à comment consolider la démocratie. Alors là, on dira qu'on est en train de mettre la charrue devant le bœuf où il faut se focaliser sur les développements et voir la démocratie après. Or, les élections aussi, oui. Il y aura la démocratie les jours qu'il y aura les développements. Sans les développements, on n'aura pas la démocratie. Même s'il y a élection. Il faut que le président Félix Tshisekedi ait le courage de modifier la constitution. Il faut supprimer les partis politiques pendant 15 ans. Il faut supprimer les partis politiques pendant 15 ans. Il faut pendant 15 ans. Oui, pendant 15 ans pour mettre les gens au travail. Ça, ici vous, en Australie. Vous savez maintenant, les partis reconnus par la CENI, c'est plus de 900. 980, quelque chose comme ça. Près de 1000. Vous avez environ. Vous avez les gens créent des partis politiques et puis ils disent que leur parti politique vont faire des champs et des fermes. Mais pourquoi ils n'ont pas créé des entreprises agro-industrielles, par exemple? Tu crées un parti politique et puis tu dis que ton parti va acheter des tracteurs, tu demandes aux membres du parti de cotiser de l'argent pour que tu achètes des tracteurs et que tu fasses des champs. Ça, ça n'existe nulle part.
Il faut créer. Mais qu'est-ce qui aurait dû être fait à la place? Il faut créer les entreprises, HK. Il faut créer les entreprises. Tu vois tous les accords qui sont conclus aujourd'hui par le gouvernement. Il y a eu des accords dans le cadre de la transition écologique entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Dans le cadre de ces accords, il y a des milliards de dollars qui circulent. Pour que la RDC profite de ces milliards, capte ces milliards, il faut créer les petites et moyennes, il faut créer les micro, petites et moyennes entreprises. Il y a eu des accords qui sont signés entre la Chine et la RDC dans le cadre des minerais stratégiques. Pour que la RDC bénéficie de ces accords, il faut créer des entreprises. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on fait tous ces accords de partenariat, ce n'est pas l'État congolais qui va créer des entreprises. Nous ne sommes pas à l'époque du communisme. Donc, un homme politique qui crée un parti et qui dit qu'il va faire les choses, c'est un menteur. Ça n'existe nulle part dans les sciences politiques. Ça n'existe pas. Dans les stratégies de développement, ça n'existe pas. Alors, maintenant, l'opposition ira et peut-être n'ira pas. Elle ira aux élections. Si les préalables trouvent leur réponse, c'est notamment tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on change la Cour constitutionnelle, on change la loi électorale, on change l'équipe de la CENI, on audite les fichiers électoraux. Mais en même temps, ils iront si tout ça a été accepté comme tel. Mais il y a aussi une autre branche qui pense que, une autre classe politique qui pense que Félix Tshisekedi est quand même beaucoup plus monamalamo, comme on le dit toujours, puisque l'opposition, d'une autre manière, réclame un dialogue. Or, si on organise les dialogues aujourd'hui, les bénéficiaires, c'est Félix Tshisekedi, puisque chaque dialogue débouchera sur une transition peut-être de 3 ans ou 4 ans. Il peut peut-être leur donner une carte, donnez-moi alors 5 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, je vous donne certaines responsabilités, et lui restera le président de la République. Comment est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi dit non, les élections doivent avoir lieu en décembre, il a même souligné lors de son discours du 30 juin. Alors, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est en train de jouer sur quelque chose ou bien sur la psychologie de l'opposition, leur accorder les dialogues, c'est lui qui gagne en principe. Mais il refuse. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose là, peut-être du côté de Félix Tshisekedi en lui-même? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a eu un phénomène que les gens sont en train maintenant d'oublier. Ces derniers temps, on s'est réveillé un matin, on dit non, Kabila va parler. Alors que moi, j'avais dit aux gens depuis très longtemps, on a vu même des gens, de certains nostalgiques qui disent que non, ce n'était pas venu du hasard. Kabila leur a dit, je vais parler. Oui, en fait, ce qui se passe avec Kabila, c'est quoi? Il est là à Kingakati, il fait ses affaires et puis quand il a envie de rigoler ou de s'amuser un peu, il dit, appelez-moi ces gens-là, j'ai envie de comédiens pour me prélasser un peu. Puisque, comment voulez-vous qu'une personne qui veut parler, il menace de parler? Alors que... Bon, peut-être, il est en train de chercher des phrases, des mots. C'est très important. J'ai dit ça pourquoi? Puisque, tu vois, par exemple, les gens du PPRD ne se sont pas enrôlés. C'est pour cela que j'ai dit ça. Pourquoi ils ne se sont pas enrôlés? Puisqu'ils attendaient que Kabila leur donne l'autorisation d'aller s'enrôler. Or, Kabila, je répète que Kabila a déjà quitté la politique. Il n'a pas quitté la politique. Non, Francine Moyoumba a dit que le silence n'interprète, ne veut pas dire qu'il a quitté la politique. Il travaille, l'a dit Maman Olive. En fait, Kabila n'a pas quitté la politique de son propre gré. Et il y a eu la loi sur la protection des anciens chefs d'État. Cette loi, un jour, nous allons chercher, toi et moi, nous allons chercher Moutinga, Modeste Moutinga, Moutouchaï. C'est lui l'auteur de cette loi. Pourquoi on a fait cette loi? Parce qu'il y a la lettre et l'esprit de la loi. Les gens voient la lettre, mais ils ne voient pas l'esprit. Pourquoi on a fait cette loi? On a fait cette loi, les législateurs ont fait cette loi pour amener l'ancien chef d'État à quitter la scène politique.
quand il a fini ses deux mandats. C'était ça l'esprit de la loi. On te protège, on te donne les privilèges dont tu as besoin, tu as la bonne vie, tu ne souffriras pas jusqu'à la fin de ta vie. En retour, la loi, les privilèges qu'on donne à l'ancien chef d'État ne sont pas gratuits. On te donne, tu donnes. Lui, il a donné en retour son départ de la politique. Mais pourquoi il ne parle pas? Il vous distrait qu'il va parler, mais pourquoi il ne parle pas? Il va parler. C'était un début de réponse à ta question. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, les gens du PPRD ne se sont pas enrôlés, mais ils n'ont commis aucune infraction. Puisque, je répète qu'ici en Australie, le refus de voter entraîne une amende et tu peux même être emprisonné. Puisque les élections sont obligatoires. C'est-à-dire le fait de voter est obligatoire. Mais comme la loi n'impose aucune contrainte électorale au Congo, pour que les gens soit deviennent des électeurs ou des candidats, tous ces gens-là aujourd'hui, Fayulu ira faire la campagne où il n'a plus Moïse Katumbi, il n'a plus Mbemba, il n'a plus Yamouissi, il n'a plus Matungulu, il n'a plus Mozito. Il ira faire la campagne où son parti est où? Toi, tu as déjà vu le parti de Fayulu où? Donc, Fayulu, comprenant ça, il s'est dit qu'il fait profil bas. Il manipule l'opinion en disant non, il lui impose des conditions irréalisables. Donc, tous ces gens-là, Matata veut devenir... D'ailleurs, j'aimerais profiter, HK, pour préciser, par exemple, en ce qui concerne les personnes qui disent que non, on s'acharne sur moi puisque je suis candidat président. Actuellement, il n'y a pas encore de candidat président en RDC. Il n'y en a pas encore. Non. Comment ça? Mais il y a des déclarations. Il y a déclaration d'intention maintenant. Non, le seul candidat, c'est le président de la République. Pourquoi? Puisque la Constitution lui donne la possibilité, le droit de se représenter. Donc, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, le président, du point de vue constitutionnel, est candidat. En dehors du président, il n'y a aucun autre candidat en RDC. Donc, tous les gens qui disent pourquoi, puisque la CENI n'a pas encore autorisé le dépôt de candidature pour les candidats présidentiables. On vient de l'autoriser pour les candidats députés. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun candidat. Qu'il soit agriculteur, qu'il soit commerçant, tout le monde peut se déclarer candidat et ça ne peut pas bouger la situation politique. Ça t'engage que toi-même, puisque tu n'es pas candidat du point de vue de la loi, puisque pour devenir candidat, il faut d'abord que la CENI convoque les dépôts de candidature, que les candidatures soient déposées, qu'ils soient validées de manière provisoire par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, là, tu deviens candidat. Pour le moment, même un Australien peut dire qu'il est candidat au Congo, puisque personne ne l'empêche de dire ça. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que les personnes qui... Puisque on a une république fonctionne sur base des lois, sur base de la constitution. Ouais, c'est... Merci beaucoup Eric Mwamba, très important, tous les détails. Alors, nous atterrissons par rapport à cette émission et vous êtes en train de préparer une conférence en France. Je suis aussi invité dans cette conférence. De quoi il est question? En fait, on prépare une conférence sur le développement local des 145 territoires de la RDC. C'est un méga projet qui a été mis en place par le président de la République, avalisé par le gouvernement. Mais en fait... Et c'est ça? C'est ça la conférence? Non, ça c'est autre chose. OK. L'idée de cette conférence, c'est que le gouvernement... Nous, en étudiant, le projet du gouvernement, j'ai constaté que le gouvernement va doter les territoires des infrastructures qui relèvent du domaine régalien, c'est-à-dire les bâtiments administratifs, les écoles, les hôpitaux, les routes,
et des dessertes agricoles, les routes nationales, les routes provinciales, ce sont des infrastructures qui relèvent du domaine régalien de l'État, qui vont permettre le redéploiement de l'autorité de l'État. Parce qu'Ashka, comme tu le sais, tu as sillonné tout l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup d'endroits et beaucoup, presque, je dirais, la quasi-totalité des territoires où il n'y a pas l'autorité de l'État, puisque ne serait-ce que par l'absence du bâtiment administratif, ouais, ça, c'est vrai. La présence de l'autorité. Alors, ce projet va faire en sorte que l'autorité redevienne présente, que l'autorité redéploie ses moyens régaliens. Maintenant, il va rester la partie que nous avons décidé en tant que citoyens à laquelle nous avons décidé de nous consacrer, de nous intéresser et de travailler. Pour le développement des territoires, maintenant, il faut recourir à l'entrepreneuriat et au tiers secteur. Le tiers secteur, c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait de trouver des solutions aux problèmes des communautés en créant des micros, des petites, des moyennes entreprises. Ouais. Et le tiers secteur, c'est l'ensemble des coopératives, des associations, des fondations, etc. Donc, la conjugaison maintenant de tout ça en complémentarité avec l'État, parce que l'État ne pourra pas développer la RDC seul, les citoyens ne pourront pas développer la RDC seul. Il faut qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait partenariat entre l'État et la RDC. C'est ça l'objet de la conférence que nous allons organiser le 28 octobre 2023 dans la ville de Rennes, à l'ouest de la France. Pourquoi nous avons choisi cette ville? Nous avons choisi cette ville puisque tout simplement, c'est une région qui a développé un modèle économique qui s'est positionné en France et en Europe comme fournisseur de tous les produits laitiers, la viande du porc, la viande de volaille. Et sur le plan touristique, le Mont Saint-Michel, qui fait partie de cette merveille du monde, qui est plus visité que la Tour Eiffel, se trouve dans cette partie. Et le Breton, ils ont fait ces modèles économiques sans l'intervention de l'État central qui se trouve à Paris. Donc, nous voulons aller là-bas pour travailler avec Breton. Mais pourquoi ne pas faire ce genre de projet en RDC? Pardon? Tu vas faire venir. Pourquoi ne pas faire ça en RDC? En fait, on a voulu... Vous voulez faire ça en France, autour des Tours Eiffel, tout ça. Mais en RDC, il y a aussi les changeurs. Il y a aussi des endroits où il faut faire ce genre de projet, non? Non, en fait, on a décidé d'aller dans... On ne va pas le faire à Paris, j'insiste encore. On a décidé d'aller dans une région qui a été développée par les paysans, qui a été développée par les habitants, qui n'ont pas attendu que le gouvernement central puisse le faire. Puisque aujourd'hui, les débats au Congo, HK, lorsque les gens parlent du social de la population, ils pensent que l'État doit donner la nourriture à la population, alors qu'en réalité, il faut que les gens se mettent au travail, il faut que les gens produisent et que l'État joue son rôle, qui est le rôle de sécuriser, qui est le rôle de normaliser, qui est le rôle de réguler. Et l'État, nous sommes en discussion en tant que citoyens avec l'État, citoyens de la diaspora et citoyens du pays, pour que l'État puisse accorder des facilités procédurales et des exonérations fiscales et douanières, et que les premiers entrepreneurs ne soient pas considérés comme des Chinois, des Américains, des Australiens, mais les premiers entrepreneurs au Congo doivent être d'abord des Congolais. C'est-à-dire, alors, ouais, à travers des petits capitaux, les petits, plusieurs capitaux mis ensemble, ça permet de développer un territoire, ça permet de développer un pays. D'accord, merci beaucoup Eric Mwamba, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, mais il y a quelques commentaires qui m'intéressent ici. D'abord, il y a notre ami Paul Boivida qui vous dit merci HK, merci d'avoir invité ton interlocuteur, j'apprécie bien ses analyses. Merci beaucoup Paul Boivida, c'est quelqu'un qui nous soutient, qui soutient cette chaîne depuis des années, donc toutes les années que nous avons sur YouTube, lui aussi est avec nous. Alors, il y a Patrick qui dit « Ton interlocuteur n'a pas répondu à ta question. Pourquoi Félix Tshisekedi ne cède pas au dialogue ?»
Oui, en fait, il ne faut pas céder au dialogue puisque le processus électoral. Alors qu'en réalité, c'est lui qui en est bénéficiaire, quoi. Non, en fait, puisque le président de la République est un légaliste, le processus électoral est irréversible et qu'il n'y a aucun. Vous savez, la loi électorale qu'on a aujourd'hui a été proposée par les députés de la MOCA. Ouais. La loi électorale qu'on a. C'était le Tondoul à l'époque. Le Tondoul, oui. C'est la loi le Tondoul en fait. Oui, a été proposée par les députés de la MOCA. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas suivre Moïse Katumbi. Quand Moïse Katumbi dit que je suis l'ami de Félix Tshisekedi, venez, on va aller travailler avec Félix Tshisekedi, les gens viennent. Quand Moïse Katumbi dit aux gens, non, je n'aime plus Félix Tshisekedi, quittons, les gens quittent. Et puis ils disent, il faut remettre en cause. Le processus électoral, non, le processus électoral est irréversible. Il y aura les élections au mois. Moi, ce que je propose au président, c'est d'organiser après les élections, parce que ce n'est pas lui qui organise, mais c'est l'État, bien sûr, à travers la CENI, puisque c'est l'État qui donne les moyens. Moi, ce que je propose, c'est qu'après les élections, le président ait le courage, dès le premier mois après l'investiture, qu'il ait le courage qu'on modifie la Constitution. Qu'on puisse instaurer un régime présidentiel et qu'on puisse prendre certaines lois. Vous savez, pour développer un pays, il faut le courage politique. J'ai déjà annoncé que si je serai au Parlement, je serai porteur de ce projet. C'est déjà écrit, la révision de la Constitution. Notamment, l'article 217, quelque chose qui dit la RDC. Pour des raisons de paix et je crois de la RDC peut céder même 300 kilomètres de son territoire pour protéger les accords internationaux et créer la paix. Moi, je vais porter ces projets de la révision de la Constitution. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, vous n'avez pas encore fini, il dit que c'est CNN qui dit, qu'est-ce que vous pensez? Il faut définir un montant de 500 000 $ comme condition de participation aux élections pour un parti politique. Vous pensez aussi qu'il est dans les bons, c'est une bonne proposition? C'est pas une condition difficile, puisque un terroriste, par exemple, un groupe terroriste qui veut soutenir un candidat peut lui donner plus que 500 000 $. Ce n'est pas une condition difficile. Il faut réduire les... Enfin, il faut supprimer... C'est par exemple... Il y a des candidats qui ont de... par exemple, on prend le cas de Moïse Katumbi. Il peut rater l'argent, 500 000, mais quand il fait recours peut-être au pays, de son père, l'Israël est riche, hyper riche, on peut juste lui balancer 500 000 sans problème. Et les Congolais qui n'ont pas ces 500 sont pénalisés, mais d'autres qui ont... Et la loi Tchani même a été abandonnée. Ce que je proposerais comme condition pour devenir candidat, peut-être c'est d'avoir, il faut fixer les seuils d'une personne qui a créé une entreprise, qui a employé, fixer un seuil des personnes qui sont employées, les taxes, les impôts payés, évaluer à quel volume cette personne participe à l'amélioration du produit intérieur brut du PIB. C'est cette personne-là, ces genres de conditions, les conditions à caractère économique. Ce sont ces personnes-là qui peuvent être autorisées à se présenter comme candidats et à les listes. Les candidatures doivent être validées par la caution citoyenne. On veut dire, par exemple, comme en France, que pour que votre candidature soit validée, il faut récolter les signatures et le nombre de signatures, par exemple 10% de la population. C'est-à-dire, nous sommes 125 millions de Congolais, il faut avoir au moins une liste de 1 million quelque chose de personnes qui ont signé, qui t'ont autorisé à devenir candidat, sans payer de l'argent. Thérèse Moulamba nous dit que les élections ne nous apporteront rien, mes chers frères. Donc, c'est dans le bon sens de privilégier peut-être les dialogues et non les élections. Ou dire peut-être que... Ou elle revient sur ton idée du genre, les élections ne contribuent pas au développement du pays.
Non, en fait, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, n'a pas besoin de dialogue. Il doit prendre seulement une ordonnance pour supprimer les partis politiques. C'est tout. C'est tout ce qu'il doit faire. Et puis dire, OK, il n'y a pas de parti politique pendant 15 ans. Pendant 15 ans, lui, il reste, il implémente son projet de société. Et 15 ans après, s'il échoue, il sera jugé par l'histoire. Il faut prendre des mesures impopulaires. Il ne faut pas faire des dialogues. On termine par Assoumani qui demande votre numéro de téléphone. Ouais, vous avez mon numéro de téléphone, il est où Assoumani? C'est plus 61 450 896 135. Donc pour les Congolais, les Belges, les Français belges, c'est plus 61 450 896 135 pour les Belges. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eric Mwamba. Merci aux amis téléspectateurs, vous qui êtes qui avez eu le temps, vous avez accordé le temps aujourd'hui à suivre cette émission. Peut-être une conclusion en une minute, comme ça on se sépare pour aujourd'hui. Eric Mwamba. Bon, la conclusion, je recommande à nos téléspectateurs de lire un livre intitulé « Religieuses abusées en Afrique ». On parle de sœurs religieuses abusées. Le titre du livre, c'est « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité ». Le livre est écrit par sœur Mary Lembo. Elle est togolaise, elle a écrit ses livres à la suite de ses recherches doctorales. Et quand vous lisez ses livres, vous verrez les aventures des évêques et comment ils violent les droits de l'homme en abusant des filles qui viennent pour se présenter comme sœurs religieuses. Et les prêtres, la technique, la stratégie des prêtres, c'est quand les filles, les jeunes filles arrivent, selon cette recherche, c'est de leur refuser d'abord à manger. Vous savez, les filles, en tant que femmes, elles ont des besoins, leurs besoins intimes, par exemple, lorsqu'elles ont des menstrues. Alors, comme elles n'ont pas de salaire, elles doivent demander de l'argent, même pour acheter le savon, pour acheter la nourriture. Alors, la stratégie des prêtres et des évêques, c'est de fermer les robinets pour contraindre les filles et même les sœurs religieuses à avoir des rapports sexuels avec elles et d'exiger les avortements. C'est dans le livre. Et il y a plusieurs autres études qui sont sorties sur la pédophilie, comment les prêtres sont en train d'abuser. Donc, les prêtres catholiques, les évêques au Congo doivent se taire. Ils n'ont pas le droit de se mêler de la politique. Et moi, j'invite les partis, les grands partis comme l'UDPS. Je déplore l'amnésie des personnes comme les Augustin Kabouya. Augustin Kabouya pense que diriger un parti, c'est d'aller faire la matinée politique, monter sur la table, ou soit de suivre le président de la République. Tu n'es pas dans les institutions, tu ne dois pas suivre le président. Il faut utiliser un grand parti comme l'UDPS, organiser des marches contre les évêques, que les évêques arrêtent de nous distraire, et il faut que les gens qui sont dans la communication, par exemple institutionnelle, exposent les aventures des évêques, par exemple les viols. Je vais exploiter ces livres-là page par page, puisqu'en heure d'essai, nous sommes loin de tout ça, toutes ces réalités. Vous allez trouver dans ces livres les témoignages des filles et des sœurs religieuses qui sont abusées par les mêmes évêques qui sont en train de nous casser les tympans avec des aventures. Ils sont nostalgiques de la papauté à l'époque où les papes étaient à la fois les chefs religieux et les chefs politiques. Cette période de l'Antiquité est déjà révolue. Comme dans la République, le principe de laïcité est garanti. Il faut que les évêques puissent fermer leur bouche, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Merci pour ces explications. Chers amis, c'est par ici que nous mettons un point final pour aujourd'hui à cette émission. Merci de votre attention. Vous avez été nombreux
à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Tous les détails de M. Eric Mwamba, journaliste d'investigation, qui nous a fait honneur aujourd'hui avec son journal, grand journal, cd.com, pour nous révéler toutes les enquêtes sur lesquelles il travaille depuis un temps. Et la question de Mme Eve Bazaïb a été au cœur de notre échange d'aujourd'hui. Merci. Si vous avez aimé l'émission, je vous encourage de nous laisser tous les commentaires possibles. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? Est-il à côté de certaines réalités? Est-il sur la bonne voie? Est-ce que nous pouvons encore l'inviter prochainement? Ça sera encore à vous de nous dire ce que vous avez saisi, ce que vous pensez de son passage dans cette émission. Mais je sais que vous l'avez toujours réclamé et il est toujours avec nous pour participer à tous ces débats. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez aussi faire partie des invités, annoncez-vous, dites-nous sur quel point vous allez vous exprimer et l'antenne est ouverte à tout le monde, la chaîne est ouverte à tout le monde sans discrimination aucune. Alors, nous sommes là et nous allons aider la République démocratique du Congo à avancer. Si vous avez aimé cette émission et que vous étiez ici pour la première fois, avant de quitter, abonnez-vous et faites-nous ça, un like, ça nous fera du bien. Je vous aime bien. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain. Bonne soirée chez vous. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Nazalaka na poto, nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo, po mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances, nazanga sika ya kopema te na Congo, mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epa ya oncle Chimfundu, leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu a zwi ngai lokola mpunda na ye. Des vieux, on a fait ça qui est la $15,000, mais bayebi singa place moko bezamba trop cher. Bon, yo le bagini. C'est le permis prix. Mon ezamuke, nazo ba tsalo misato. Moi je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Yo le bagini. 2005. Muke, muke, ezamuke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. Ndako emuna na te. Ata terrain ya pamba na muna te. Noko Chimfundu a belinga yo. Alors tango kanda e matinga ipene na kangisa noko Chimfundu. Nazo solution. MB Assistance Immobilier. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou commis propriétaire ou Kololupa. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilier, Bisonios Fongola Namaboko Bang Kololupa. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Bayweaver RDC. Ça y est, Bayweaver est en RDC.
Congolaises et Congolaises, voici désormais votre partenaire industriel qui vous apporte des projets dans l'énergie solaire renouvelable pour la protection et la préservation de l'environnement via une plateforme d'investissement en ligne à travers votre téléphone portable sur l'étendue de la RDC. Pour vous qui avez besoin de réduire votre dépendance financière, BeWaver est votre partenaire fiable qui organise des campagnes de financement participatif à travers une plateforme dédiée pour participer activement aux projets des parcs éoliens en RDC. Créez votre compte et placez votre épargne dans nos projets. Faites un dépôt sur l'application BeWaver pour obtenir un gain allant jusqu'à 10% des taux d'intérêt par jour. Le gain de revenu est quotidien. Le retrait, aussi simple, rapide et facile. À la date de l'échéance, votre montant investi vous sera restitué selon la durée choisie. La plateforme d'énergie nouvelle leader mondial de BeWaver s'engage à améliorer les développements économiques et énergétiques en RDC. Pour plus d'informations sur les modalités d'investissement, veuillez nous contacter au plus 243 89 73 800 07. BeWaver, Think Energy. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.